Ouais. Il y a un mec dans le buisson. J'ai réussi. Non. Non. Mais non, il avait 11 de vie. Non. Oh là là, je te souhaite qu'un jour tu... Quelqu'un t'offre un Kinder Surprise, c'est incroyable. Non. Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'événement, etc. Mais on va aussi parler de créateurs TikTok que la fête est terminée. On va parler de créateurs TikTok que vous suivez, que vous avez peut-être déjà vu des TikTok et qui font que du fake. Et ça va être bientôt... La fête va être bientôt terminée. Voilà, je vous le préviens d'avance. La fête va être bientôt terminée. Avant toute chose, la famille, je vous laisse me lâcher le petit like si vous êtes toujours pas abonné. Abonnez-vous. On va remercier deux abonnés qui ont régalé avec le code Nanas. Tout d'abord, on a Ariane qui a acheté le pack Nanas avec le code Nanas NANX2S. Et aussi, on a Rec Iron qui a régalé en achetant aussi le pack Nanas avec le code Nanas NANX2S. Merci beaucoup à vous les gars. Sans plus tarder, on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir. Tout d'abord les gars, je voulais parler aux joueurs Switch et même aux joueurs en général. Il y a une rumeur qui circule comme quoi les joueurs Switch bientôt ne pourront plus jouer à Fortnite. C'est une connerie. Les joueurs Switch vont bien évidemment continuer à pouvoir jouer à Fortnite et il faut respecter les joueurs Switch. Les joueurs Switch sont des joueurs comme les autres, faut les respecter. Il y a certaines personnes qui les respectent pas. Il y a certaines personnes qui font croire des rumeurs qui sont fausses. Et ces gens-là, je pense qu'il y en a que vous avez en tête, il y en a qui vont se reconnaître. Je vais en parler à Fortnite. Je vais en parler à Fortnite. Le fait que certains créateurs Fortnite inventent des fausses rumeurs pour buzz profite de l'innocence de jeunes, parce que oui, il y a beaucoup de jeunes qui jouent à Fortnite, on peut très vite les influencer. Et il y en a qui en profitent, et c'est pas normal. Donc, il y en a certains qui vont se reconnaître sur TikTok, la fête est bientôt terminée, et même moi, personnellement, je vais m'occuper de vous, parce que je déteste les gens qui font du fake, et qu'en plus, qui se sentent malins de leur côté. C'est terminé, je vais m'en occuper bientôt. Là, on va profiter de la saison 3, etc. Bientôt, je vais réserver une vidéo par rapport à ça, et ça sera terminé. Je vais demander de signaler les comptes, etc. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal de faire passer des fausses rumeurs pour des vraies rumeurs. Par exemple, la rumeur que bientôt les joueurs Switch ne pourront plus jouer à la Switch. Il y en a qui font croire que si tu vas sur une certaine map créative, tu peux gagner des V-Bucks. Ça va être terminé, ça. Je vous préviens clairement. Ceux qui se reconnaissent, supprimez vos TikTok et arrêtez ça tout de suite. Parce que bientôt, moi, je vais m'occuper de ces gens-là. Ça va plus se passer pareil. Je vous le dis clairement. Je déteste déjà qu'on se moque des joueurs Switch alors que c'est des joueurs tout à fait normaux. Donc en fait, à l'école, ça doit sûrement se foutre de leur gueule, la vérité. Et de deux, je déteste qu'on profite de l'innocence de certaines personnes pour leur faire croire des choses fake, pour faire du buzz derrière leur dos. Je déteste ça. Donc du coup, je vais m'en occuper. Qu'ils fassent gaffe. Voilà, qu'ils fassent gaffe. Que je revois plus trop de TikTok comme ça. Ça va pas le faire. Bref les gars, maintenant les bonnes news, on va parler du teaser. On a eu un nouveau teaser hier et du coup en fait c'est un teaser où on commence un peu à avoir une analyse de la jambe du mecha. En gros on voit qu'il y a un cercle, un début de cercle avec relié des bombes. Donc on imagine que ça va nous montrer que le mecha a des bombes sur lui. Et aussi on voit le début du bras du mecha, voilà. Donc c'est un teaser qui est voilà cool mais qui garde encore le mystère du haut de l'image. Et ça on l'aura sûrement aujourd'hui et normalement je serai en live pour le voir, j'espère du moins. Donc voilà, on a eu un nouveau petit teaser. Ensuite les gars, il y a eu un gros secret qui a été dévoilé sur le mecha et là c'est un gros spoil j'imagine pour l'événement. Donc si vous ne voulez pas être spoil, je vous invite à aller à la fin de cette catégorie là de la vidéo. En fait on va parler du torse du mecha. Beaucoup en fait ont commencé à analyser le mecha dans des logiciels comme Blender pour pouvoir en fait voir les parties différentes du mecha, etc. Et beaucoup, et ça a leak et plein de gens l'ont fait, il y en a beaucoup qui ont remarqué qu'en fait si vous enlevez le torse du mecha, derrière il y a un cœur. Et je pense que c'est peut-être pour un laser final, etc. En gros je pense que peut-être qu'à un moment le robot sera acculé, en mode le robot sera à deux doigts d'être explosé ou quoi, et au dernier moment il ouvrira son torse et ça enverra un laser en cœur qui détruira ben, son opposant ou son ennemi, je sais pas. Donc du coup c'est quand même je pense un leak de l'event parce que c'était caché sous son torse. Pour ceux qui voulaient pas être spoil, ben, c'est un peu dommage. De toute façon après ça a leak, je pense que vous allez tomber dessus même si vous le voulez pas, et c'est ça qui est un peu triste. Maintenant les gars, on va passer au défi. Hier il y avait les nouveaux défis de la rébellion, les derniers défis de la saison avant la saison 3. Je vous mets moi quand j'ai fait les défis. Du coup la famille, on se retrouve à un jeu les gars. Du coup on va faire les quêtes rébellion qui sont ici. Établir une liaison avec l'appareil près de toi, nous devons nous préparer pour la dernière bataille. Du coup on va aller les faire et on va voir ce que ça donne. Je me suis pas spoil, j'ai rien vu. Nous devons lancer l'assaut final contre l'Institut Onirique le plus tôt possible. Je n'ai pas de nouvelles du paradigme, mais nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre. On va lancer l'assaut. La balise d'urgence des 7. What? L'heure de la bataille a sonné. Wouah! La bataille! Oh là là, l'heure de la bataille finale a sonné, les gars, let's go! What? Le moment est enfin venu de sauver la vie. Oh ha ha! On se retrouve de l'autre côté. On se retrouve de l'autre côté? Comment ça? Oh, t'es, j'ai cru qu'il se passait un truc. What?
on se retrouve de l'autre côté. On va aller sur la map chapitre 2. What? Oh, ça sent le voyage entre les deux maps. La dernière fois qu'on avait entendu parler, on avait entendu un personnage me dire on se revoit de l'autre côté. C'était Tabor Hill et il nous avait teasé qu'on allait passer dans un nouveau chapitre. Donc là, il y a moyen qu'on aille faire un tour sur la map du chapitre 2 pendant l'event. Ça va être une dinguerie. Let's go, les gars, la suite. Il semblerait que le méca fonctionne. Peut-être. Ah, je pense qu'il fonctionne. Le scientifique dit qu'il a 72% de chance de démarrer, ce qui est pas mal. Pas mal. Ça fait quoi? 14 sur 20. Il faut l'alimenter en énergie. Alors je vous ai préparé un chargeur anadobatique. Oh bon, il est en... Mais attends, mais comment on va le recharger? Il est sur la lune. Mettez-le et chargez-le en collectant des piles à combustible de l'IO. L'utiliser consomme de l'énergie, mais tant que vous revenez avec au moins 50% de charge, le méca devrait marcher. What? J'espère. Vas-y, c'est qui peut du chargeur? What? Chargeur connecté. Rapportez-le avec au moins 50% d'énergie. La dinguerie. Ah, ce qui est pas mal. Ça fait quoi? Ok. 14 sur 20. Il faut la... Ok, là j'ai le sac à dos. Alors je vous ai préparé un chargeur à nanobatterie. Faut faire quoi? Il est en sale état, mais il devrait marcher. Mettez-le et chargez-le en collectant des piles à combustible de l'IO. Des piles à combustible de l'IO? Mais tant que vous revenez avec au moins 50% de charge. Elles sont les piles? Le méca devrait marcher. J'espère. Chargeur connecté. Rapportez-le avec au moins 50% d'énergie. Y'a un mec. Oh là là! Il faut trouver des piles à combustible! Mais c'est quoi ce défi de... Y'a des splashs! Les splashs! Les splashs! Ah! Non! Mais c'est trop compliqué ce défi! Des piles à combustible de l'IO! J'ai encore le sac à dos, les gars, c'est où que je trouve ça? J'espère que je vais en trouver là quelque part! Je vais t'écraser! Là. Oh, je vois le... Ouais. Oh, t'as combien là de pourcentage? Je vois pas le pourcentage. Oh, y'en a à l'état-major, y'en a plein. Oh, y'en a plein à l'état-major enfoui. Mais c'est où exactement? C'est en haut? C'est en dessous? Ah ouais, c'est à l'intérieur. Super. Maintenant, rapportez-moi le chargeur. Ah, c'est bon, j'ai fini. Sur les 50%. On se dépêche. Faut le reposer. Ouais. Y'a un mec d'Albuçon. J'ai réussi. Ok, on se retrouve sur... On se retrouve sur le champ de bataille, ok. Il y a des gens autour de moi partout. Allez, check! Mais c'est un fou! Voilà! Aïe. Non! Non! Mais non! Il avait 11 de vie! Non! Oh là là, je te souhaite qu'un jour tu... Quelqu'un t'offre un Kinder Surprise, c'est incroyable. Non! Ah, mais c'est pas fini! J'aimerais tellement pouvoir vous faire un beau discours plein d'encouragement. Pour vous dire à quel point ce combat est crucial. À quel point chacun de vous est important. Ok. Mais, vu nos statistiques, on ferait mieux d'utiliser chaque seconde pour s'entraîner au tir sur cible. Tir sur cible? Je ne plaisante pas. Alors prenez l'arme choisie par les boucleurs et allez infliger des dégâts. Je sais que les boucleurs sont du genre pacifiste, mais il faut vraiment apprendre à viser. Vous verrez, c'est super! Mais voilà! Y'a quelqu'un d'autre? Mais t'as pas de level en fait! Regarde, t'as pas de level! J'ai juré que t'as pas de level, mec. Qu'est-ce que tu me cherches? C'est des noises à moi. Va manger des noisettes. Ah, tu reviens, y'a pas de soucis. Je t'accueille avec plaisir. Vas-y, viens. Quoi? Il cheat? What? Quoi? Ah, c'est bon. Bien précis. J'avais pas dit que c'était super. Je suis tellement... Oh. Mais je serai encore plus fier de vous le jour où vous reprendrez cette île à Sion et à Zephyr. Mais c'est pas fini les défis. Ok les gars, let's go, la suite des défis. On va voir ce que c'est. Relax vieux, je lui demande. Ouais. Mon ami Banane. Mon ami Banane se prépare à passer son permis et il serait pas contre une... Disons, une remise à niveau. Ça vous dirait de faire une petite virée avec lui entre les camps des 7? Mais pas à plein régime. Ok. On reste sous les 60. C'est quoi le défi? Apporter une voiture ou un camion à n'importe quel avant-poste D7. Ok,
ok. Ah là, ça fonctionne. Ok, let's go. 200 mètres. Je vais y arriver. C'est gagné là, c'est gagné. Ah, vous conduisez bien. Yes. Voilà, banane. Pour le reste, c'est à toi de jouer. Oh. Yes go, j'ai terminé les défis rébellion, let's go. Sur ce la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager en ce cas pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.